Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage. Alors, de déballage du Samsung Galaxy Ace 2. Alors, pour le coup, malheureusement, cette fois-ci, je ne pourrais pas vous montrer la chose sur une boîte neuve, puisque la boîte a déjà été ouverte précédemment par un autre testeur que je connais très très bien, que je salue au passage et qui reconnaîtra certainement la boîte qu'il a déjà ouverte, ne serait-ce que parce qu'il a laissé quelques petites empreintes. Mais tout ça pour dire voilà qu'aujourd'hui, on est donc sur la vidéo de déballage qui me permet de vous présenter ce qui est à l'intérieur de cette fameuse boîte. Alors, on est sur la boîte de déballage du fameux Samsung Galaxy Ace 2, un téléphone que j'ai déjà testé, que je vous ai envoyé, que je vous ai présenté en vidéo, pardon. Et donc voilà, alors qu'est-ce que l'on obtient quand on déballe la boîte? Eh bien, on a bien évidemment le téléphone, vous aurez remarqué qu'il est déjà sorti de son petit sachet plastique habituel et qu'il n'a plus son écran de protection. Mais bon, voilà, en tout cas, on enlève le téléphone est placé sur un socle plastique, un berceau en plastique, que l'on peut enlever bien sûr, et qui permet d'accéder donc aux accessoires. Alors, qu'est-ce que l'on a comme accessoires? Bon point. On a un chargeur secteur donc, qui comporte son propre câble. Donc les deux sont liés, il n'y a pas d'adaptateur secteur avec un trou micro USB, enfin USB ici, pour brancher le câble. En fait non, on est sur un élément à part. Donc on est sur un adaptateur secteur avec son propre câble. On a bien sûr à côté de ça, et je reviens après sur le kit piéton, mais on a le fameux câble micro USB-USB. Donc on fait au final... on a deux accessoires sympathiques. D'un côté le câble et d'un côté l'adaptateur prise murale, donc secteur, de son côté. Donc deux éléments qui peuvent vivre à part. Hein. Donc c'est un très bon point, justement. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans dans la fameuse boîte du Ace 2? Eh bien, on retrouve le kit piéton. Alors, le kit piéton version blanche, typique Samsung, avec son petit. Donc c'est un kit piéton avec la petite entrée micro. Et sur l'entrée micro, on a un bouton. Un bouton à neuf. Le tout est en plastique dur, hein. Voilà, il n'y a pas de glossy, c'est pas travaillé, mais c'est blanc, c'est plutôt design. Et les écouteurs, alors vous l'aurez remarqué, ont une petite forme étudiée pour mieux se calquer sur votre oreille, j'imagine. Voilà, alors par contre, ils sont en plastique dur, donc ils sont plutôt beaux, hein, si on ne s'attarde pas justement sur les éléments qui sont utilisés pour notamment les écouteurs. Plastique dur, hein, c'est du brut, il n'y a pas d'éléments caoutchoutés, donc à porter pendant des heures, je pense que ça peut faire mal. Mais voilà, ils sont là, ils ont le mérite d'exister. Rappelons-le aussi, c'est une obligation, notamment pour les constructeurs, quand ils commercialisent leur mobile en France, que de fournir un kit piéton. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le faire, et c'est notamment, encore une fois plus, le cas avec le Samsung Galaxy Ace 2. Bon, à l'intérieur de la boîte, on trouve également de la documentation. C'est pas forcément la chose la plus significative et la plus intéressante que l'on retrouve notamment dans un pack de téléphone, mais on a voilà, un guide de prise en main rapide qui permet de savoir comment faire fonctionner son téléphone. Au premier démarrage, lorsque l'on n'a pas l'habitude des téléphones sous Android. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve donc dans la fameuse boîte de ce téléphone? Eh bien, on retrouve de la documentation que je vous ai montré, le téléphone en lui-même avec la batterie. La batterie est déjà placée dans le téléphone pour le coup. C'est une 1500 mAh, format classique chez Samsung. On retrouve l'adaptateur secteur avec son câble, très bon point. Le câble micro USB-USB qui permet de synchroniser et de charger sur un ordinateur par exemple. Et le kit piéton, voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à venir aussi nous rejoindre sur notre blog et notre tout nouveau forum. Forum que l'on a créé pour vous suite à vos demandes. Et bien n'hésitez pas à réagir justement dessus. Et bien ne serait-ce par exemple qu'à vous présenter. Faites-nous un petit coucou et dites-nous qui vous êtes. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.